Rendez-vous leur reconnaissance envers l'Éternel, le Dieu du prophète Samuel Biléou Joseph Otchofa. Les fidèles de la paroisse Israël Bodjetin dans la sous-région Godomé F ont célébré ce dimanche 16 février 2020 leur fête annuelle d'action de grâce. Qui a connu une forte mobilisation des membres du groupe La Voix des Visionnaires International, venus en soutien à la devancière Jocelyne Lawson, fidèle de la dite paroisse et organisatrice du groupe La Voix des Visionnaires International. Qui ne laisse pas indifférent le prédicateur du jour, le vénérable suprême évangéliste Victorin Rompé-Sodé, secrétaire général de la région Atlantique. Notamment, l'opposé à vous souhaiter tout comme vous-même.
pour élever l'homme. Alors, pourquoi avoir un peu ici corps? C'est avoir un grand âme tombé. Il y a un tombé dans le film. Il y a un tombé. Il y a un tombé. C'est un tombé là. Pour y avoir pour mettre un compte chez nous. Il plaît pour les toits à noter. Pour y avoir les toits à dire. Oui. Attends. Attends. Aïzen. C'est un peu le corps. Il faut que j'ai carré. Comblé, quelques membres du groupe La Voix des Visionnaires International n'ont pas caché leurs impressions. Heureuse d'avoir eu les signes à ses côtés en ce grand jour de fête, la devancière Jocelyn Lawson se dit satisfaite et souhaite que cet amour puisse toujours régner au sein du groupe. La voix des visionnaires, les ouamanes, nous, une fête d'action de grâce réussie à en croire le suprême évangéliste Richard Mehuenou, chargé de la dite paroisse. Bon, je peux vous dire déjà que la fête a été vraiment belle, conformément à notre attente. La fête a été belle. Nous avons reçu plusieurs fidèles, comme vous êtes en train de le constater, et les fidèles continuent d'arriver. Parce que là, certaines personnes qui attendent d'abord de finir le culte sur leur paroisse, avant de s'ébranler sur
la paroisse qui est en train de fêter. Sinon, je peux vous dire que la fête a réussi. Je crois que c'est parce que cette fête-là a pu réussir, c'est parce que le comité d'organisation n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette fête. Et je tiens encore à les remercier, à leur demander de faire pour les années à venir là, de tout faire pour que ça réussisse encore plus. Bon, l'édition prochaine, bon, tant que moi je serai chargé sur cette paroisse là, la fête aura toujours lieu. Et les gens du quartier, tous ceux-là qui nous connaissent, même certains fidèles qui nous rendent visite régulièrement, ils savent que tous les ans, il y a un changement sur cette paroisse. Et le prédicateur de ce jour a mis un accent sur ça. Pour dire que l'année dernière, il est venu sur cette paroisse-là, il a constaté si cette année encore, quand il est venu, il a vu qu'il a eu encore un changement. Et mon souhait est qu'il y ait toujours de changement. Tous les regards sont désormais tournés vers une prochaine édition de la fête annuelle d'Action de Grâce sur la paroisse Israël Bodjete.